Salut à tous, bon j'étais un peu pris de court parce que c'était un peu j'ai eu une petite galère avec mon test. Parce que là on part à Chypre, sauf que je devais me faire tester et Chypre n'accepte que les tests PCR. Du coup je suis venu à l'aéroport ce matin, sauf que bon, deux trois petites galères un petit peu en retard. Et voilà, c'était un peu juste, donc c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à filmer. Mais du coup voilà, on est dans le bus, on est avec un peu tout le monde. Voilà. Et attendez, je dis bonjour à quelqu'un. Donc voilà, donc on part à Chypre et puis bah je vous laisse avec la suite. Hein. Ça va être, je pense bien. Que ça va être mieux que Bucarest et ça va être moins bien que Athènes et Budapest vu que j'y étais pas. Ouais. Voilà. Non, ça va être mieux. Ça va être mieux vu que j'y étais pas. Ouais. Non, ça va être beaucoup mieux que les autres voyages vu que je n'y étais pas. Donc c'est forcément mieux. Voilà. Je vous laisse avec ce ciel gris. On va faire une transition ciel bleu. Ah bah du coup bah attendez, je vous relaisse avec le ciel gris. Bon, on vient d'arriver, on vient d'atterrir à Chypre, là il fait super bon, il fait genre plus de 20 degrés. Ça fait du bien. Exactement. Oh là là, l'appartement. Oh l'appartement. Oh putain, j'ai trouvé mon lit. Frère, t'as pris la pire chambre. Je m'en fous, c'est un lit simple. Un lit simple. Et en plus, t'as douche et toilette avec. Ah ouais. Frère. Vas-y Antoine, je me mets avec toi. Ah, vas-y, on sort tous les deux tranquilles, elle sera dans le salon quoi. Ouais. Mais dans la première chambre, il y a une belle vue aussi. Bon bah voilà. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. C'est ma chambre ça. Oh, tu me fais peur. Voilà, moi je dors là. C'est cool. On a des lits simples. Bien sûr. Voilà, donc jour 1 et demi on va dire, parce qu'hier on n'a pas eu le temps de faire grand chose. Donc là on est samedi matin, on va aller visiter un peu la ville et cet après-midi je crois qu'on va aller à la mer se baigner un peu parce qu'il fait super beau et qu'il y a une piscine à l'hôtel mais que la mer est plus chaude. Donc voilà, on va aller se baigner. Il faut faire attention parce qu'ici ça roule à l'envers et nous on se croit en France. C'est juste balader sur le bord de mer. C'est super beau. C'est très sale par contre. Un peu dommage, mais c'est super, super beau, super sympa. En plus, il fait super bon là, donc c'est hyper agréable de se balader. Voilà, il fait très beau. Pourquoi A? La musique. Ah ouais? Ok, j'arrive. Attends, il y a une tombe de nains là, faut qu'on aille voir vite fait. Ouais, attendez, je vous emmène voir une tombe de nains. Pareil que c'est impressionnant. Enfin, pas par sa taille du coup, mais. C'est impressionnant. Mais attends, mais je peux pas mettre ça sur internet. Bon, ok, je la mets, mais vous me dites rien, d'accord? Voilà la tombe. Je suis en grand angle. Hein. C'est vrai que sur le téléphone ça paraît très grand alors que. Vous voulez voir la tête de ma main à côté de la tombe? Voilà. Qu'est-ce qu'elle raconte? Par contre, celui-là, lui, il avait beaucoup d'argent. Alors, ce soir, on mange pas de carbonara. C'est chef actu de Ramzi au fourneau avec chef Miline. Et chef Antoine qui dort, mais c'est parce qu'il a une trop grosse moustache, donc c'est hyper compliqué à soulever. Voilà, donc on cuisine, un peu de Schweppes, un peu de gin.
Et ouais, il y en a qu'on de la chance. Alors, programme de la journée, du coup, on va voir une cascade. On va aller se baigner là-bas. Ensuite, on fait quoi? Donc, on va louer des voitures, on va aller à la cascade. Après, on va aller voir autre chose, j'ai déjà oublié. Et ensuite, on va aller au Blue Lagoon. C'est un super endroit où il y a un endroit nickel pour voir les couchers de soleil. Du coup, voilà. Les gens se moquent de moi parce que je perds mes mots. Voilà. Donc on va aller faire ça et puis ensuite on va rester là-bas le soir pour manger et puis on reviendra à l'appart tout à l'heure. Voilà, voilà. Et c'est vrai que la vue est plutôt sympa. Bon, du coup on n'a pas réussi à louer de voiture. Du coup bah journée plage. Voilà. Comme la plage elle est au bout de la rue là. Bon, on va à la plage et puis on décale le programme qui était prévu à demain. Et bah à demain du coup. Ah oui, normalement. Parce qu'il faut encore qu'on arrive à louer une voiture. Hein, parce que c'est minimum 3 jours. Faut avoir 25 ans. C'est un compliqué. Donc voilà, on verra demain pour un nouvel épisode. Santé à tous ceux qui regardent cette vidéo. Salut, du coup bah là c'est le dernier jour et en fait on pouvait pas louer de voiture parce qu'on n'a pas 25 ans. Du coup on a loué ça et ça tue. On a deux mecs qui vont nous suivre toute la journée, qui vont nous emmener partout. On a deux voitures et du coup on va se faire un peu on va se faire escorter quoi, en quelque sorte. Hein. Voilà, mais je suis un peu... Oh putain, je vais être là. Regardez où je suis assis, là, c'est super. Sorry. Voilà. Je bois un petit caramel macchiato, là. Ouais, c'est super, moi. Everybody ready? Yeah. Are you ready? Let's go. And you? No, I'm not ready. Thank you, okay. Okay. Are you the best driver in Cyprus? Je n'ai jamais eu de réponse. Super ce qu'on est en train de faire. Et là on va dans un... ça s'appelle le Blue Lagoon. C'est un lac? C'est un lac ou c'est la mer? Le Blue Lagoon c'est la mer. Donc on va dans un endroit mais qui est super beau et l'eau elle est un peu elle est vraiment turquoise quoi. Du coup on est en train de rouler là dans un petit jeep. C'est la sirumante glaciale quoi. Voilà. Et du coup bah les jeeps qu'on a là comme ça, exactement le même que ça, on va les avoir toute la journée et on va et voilà et on va gambader un peu dans l'île. Et on redécolle ce soir à 21h. Voilà. Donc je vous laisse avec les magnifiques images du Blue Lagoon. Waouh! Juste waouh!
sais pas ce qui remonte dans les yeux. T'as dit quoi? Donc là. Oh, it's the Blue Lagoon? On est arrivé? On est arrivé? Ok, donc on est arrivé là, bah, là où on est arrivé. Donc c'est le Blue Lagoon. Donc c'est la mer et l'eau est vraiment magnifique. Je vais vous laisser apprécier la vue. Alors, là il fait 25, on est bientôt en décembre, et là on va aller se baigner dans la mer, à Chip, c'est magnifique en plus. On est dans un décor vraiment beau. Alors, il y a un peu de sable dans l'air, c'est un peu, ça couvre un peu le soleil, mais c'est magnifique. Are you okay to say hello to my YouTube channel? Ah yes! Hello! Make sure you travel with Jimmy Jeep Adventures or I kill you. Thank you, my friend. Okay, if I send you some of my friend, you can make a little price? When? Oui, yeah. Yeah, of course. Okay, bon, si vous venez à Chypre, voyagez avec Jimmy, Jimmy Jeep Aventure, vous avez 10% avec le code Lactu Dromzy. Non, voilà, franchement, c'était vraiment super. Et les guides sont, enfin, les drivers là sont super sympas. Donc, franchement, si vous venez à Chypre, allez vraiment avec Jimmy. Mais vous n'avez pas de réduction, parce que j'ai pas encore assez d'abonnés pour gratter des ristournes. Mais si vous vous abonnez tous à ma chaîne, pourquoi pas. Voilà. Donc là, on fait un petit pique-nique. Et après, on va où? C'est où qu'on va? Dans la... On va... C'est des chutes d'eau? Je sais pas, peut-être. Bon, écoutez, vous verrez après hein, ce qui va se passer. Là, on mange un petit bout et puis ensuite on repart. On s'est arrêté dans un petit coin super sympa dans la forêt là, histoire de faire un petit repas quoi. Voilà. Donc là, on est toujours à Chypre. On est toujours dans le 4x4. On est toujours en train de faire n'importe quoi pendant que Antoine accourt. Voilà, c'est ça le télétravail. C'est ça le télétravail, mesdames et messieurs. On dénonce ici, sur la Lactu Dromzy, on dénonce. Voilà, il faut dire les choses en face. C'est ça le télétravail. On est à la Chypre, il fait 28 000 degrés et lui, il est en cours. Voilà. Bonjour madame, c'est qui parle? C'est ton groupe? Ah oui, parce qu'en plus d'avoir cours, il a une présentation, mesdames et messieurs. Parce qu'avoir cours, c'est un petit peu trop facile, il suffit d'écouter. Alors que participer, c'est vachement plus marrant quand on est dans un Jeep à l'autre bout du monde. Voilà, voilà. Et bah écoutez, souhaitez-lui bonne chance. Antoine? Ok, là, j'ai failli mourir là. Bon voilà, du coup là on est venu voir un bel endroit où les tortues viennent pondre leurs œufs. Bon alors là on n'a pas vu de tortue évidemment, mais c'est une super plage, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est vraiment beau. Et là pour le coup on est vraiment au milieu de nulle part, on a roulé pas mal de temps. On est reparti de la forêt là, on a roulé je sais pas combien mais un petit peu. Voilà. Du coup c'est vraiment beau. Et là on part dans un nouvel endroit pour aller se baigner une dernière fois et puis voir le coucher de soleil. Et après ça, je crois qu'on part à l'aéroport. Voilà, donc je vous laisse avec la suite des images. On a escaladé en haut d'un petit rocher pour regarder le dernier coucher de soleil avant de partir. Et là on est parfait là. Oh,
regardez. Je postillonne, j'ai perdu. Ouais. J'essaie une halte. Thank you.